Alors ici, on va faire une épilation aux jambes, aux demi-jambes à la cire avec bande. Voilà. Le premier, n'oubliez pas de désinfecter votre fauteuil de soins parce qu'au jour de l'examen, au moins de passer une lingette. Bien sûr, le jour de l'examen, vous auriez juste le drap que vous allez mettre sur le fauteuil. Ici, moi, j'ai mis une mousse pour un fauteuil spécial, une serviette, un petit coussin et le drap. Ici, sur mon plan de travail, j'ai désinfecté avant avec une lingette. Je préfère les lingettes parce que c'est plus rapide et facile. Je mettrai un papier de rouleau. J'ai ma machine à cire. J'ai la lotion pour nettoyer à la fin. J'ai la lotion pour désinfecter les mains. Les lingettes pour le matériel. J'ai la lotion pré-épilation pour mettre sur la zone à épiler avant. Et l'huile pour mettre après l'application. Mon pot avec tous les spatules, et aujourd'hui je vais travailler avec la spatule coteau. J'aurai besoin aussi de ma pince à épiler pour les poils qui ne se retirent pas, et un coton-tige à tremper avec l'huile en cas qu'il y a un bouton ou il y a autre. Il y a une commère peste, l'acné, bouton, enfin n'importe. Et j'ai mes papiers sous palin, j'ai mes bandes. Et j'ai mes gouttes, une avec le coton que j'en ai besoin pour la désinfecter la zone, et une pour mettre la cire pour lisser pour le jury. Voilà, je vous montre tout de suite comment épiler les demi-jambes à la cire avec bande. On désinfecte toujours les mains. Je vais désinfecter pour faire plus facile. Moi, j'ai pris un spray comme ça. Rapidement, on prend deux disques de coton. Vous infectez partout sur la zone. Voilà, n'oubliez pas toujours de faire le test sur vous et sur la cliente, sur la cheville. Coupez la bande. Vous mettez votre test d'essai sur le côté pour que le jury le voit bien que vous avez fait le test. Et bien sûr, vous demandez toujours à la cliente si tout va bien, si c'est pas chaud. Et on commence. On prend la cire, on racle un côté et on applique sur la jambe qui est plus loin. On dépose notre cire et on va racler jusqu'en bas. Fais la jambe la plus loin et après celle qui est plus proche. On tient la peau de l'autre côté pour tirer. On tire la peau de là pour faire mal.
j'essaie de bien tirer. Dès que la bande elle est rentrée, on change. Mais au jour de l'examen, il faudrait faire 6 bandes normalement dans les deux jambes. Il ne faudrait pas dépasser 6 bandes pour les deux jambes. Et normalement 10 minutes par chaque jambe. Voilà. Fini la face de la jambe. Et là, ben, on demande à la cliente qu'elle se met sur un. Toujours sur la jambe la plus loin. Et hop. Voilà. On pose notre cire. Et on racle jusqu'en bas. Voilà, très bien ça. Et maintenant, c'est la jambe la plus proche. Alors devant le jury, n'oublie pas de mettre la main, pression chaque fois avec la main. Mais comme là je suis toute seule, alors je peux profiter à y aller plus rapidement. Donc devant le jury, en fait, vous mettez votre bande comme ceci, vous tirez la peau, vous enlevez votre bande et tout de suite vous mettez votre bras sur votre main sur la jambe. Ma cliente, elle est en train de souffrir silencieusement. Regardez, c'est normal. Hein? Allez, on se met sur l'autre côté, comme ceci, mais de l'autre. Voilà, on commence par celle qui est loin. Regardez pas trop les poils, c'est une nouvelle, elle n'a pas l'habitude de retirer ses poils. C'est normal que. C'est des nouveaux poils, tout bébé. Ah oui, hein. Des fois, on est étonné de trouver des. J'espère que vous avez compris parce que là, je ne suis pas devant le jury. Hein, mais devant le jury, comme j'ai dit, hein, je vous redis, vous enlevez, vous mettez une pression. Voilà, parfois les poils sont un peu compliqués pour retirer. Voilà, toujours essayer de tirer vers la peau, comme ça vous faites moins mal. Voilà, si vous voyez qu'il y a encore des poils, vous essayez de faire un petit. Recommencez quand vous trouvez encore quelques poils, vous recommencez tout de suite, mais une fois, deux fois maximum, c'est fini. Hein. Voilà, mets-toi face, on va faire les genoux avant de tourner. Là, plie, là, on va faire comme ceci. Et c'est plus facile et moins mal. Voilà, on racle ici et hop.
posé comme sur la bande. On tire ici vers la cuisse et on tire. Voilà. Comme ceci, aplati bien, tirer, hop. Je commence par je te proche. J'essaie de tirer parce que là ça fait un peu mal les mollets. On tire vers les cuisses. Voilà. On va faire un petit tour juste pour parfaire sur les poils qui restent à gauche à droite. Vous avez des trucs comme ça qui veulent pas se retirer, vous faites à l'envers. Voilà. Voilà. Vous avez un bon mange en même temps. J'espère que vous m'entendez bien. Désolée pour le bruit de la petite. Maintenant, vous surveillez si vous avez une poêle qui est à l'intérieur. Jasmine. Alors, vous allez prendre soit une lingette, soit un coton. Vous allez enrouler comme ceci. Vous allez essayer d'enlever les poils qui sont, les deux poils qui sont restés. Si on n'a pas, ben, tant mieux. Sinon, vous retirez comme ceci. Un peu partout, hein. On n'a pas, ça ira. Voilà, n'oubliez pas de désinfecter votre pince.
Voilà. Et vers la fin, vous allez appliquer par un petit massage un peu d'huile sur les. Pour hydrater, nourrir, surtout pour apaiser. Des rougeurs qui vont s'estomper, mais en tout cas plus de poils. Super. Voilà, merci.